Good morgen, allez, Yiden, les Sisra aujourd'hui, le Nishmat Chaya Esther, Bat Miriam, ainsi que leur foi à Olivier, Sal Shimon Ben Chaya Esther, Khamshat Miriam, Bat Rosetena, Binyamin Ben Chadiba, le Torchar Chol Israël, si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude du Mishnah. Contactez la 5 minutes éternelles, nous étudions le Sechat Shabbat, Perikrav Gimel, Mishnah Gimel. Lo iskor Adam Poalim Be Shabbat, Velo Yomar Adam Lachavero, l'iskor Lo Poalim. En Marchichin à la Troum, l'iskor Poalim ou l'Havi Perot. Aval marchich hun ishmor, ou mevi perot beyado. Klal amar abba Shaoul, kol shani zakai ba mirato, rachayani la archi halav. Là, on rentre dans le pasouk de qu'on dit le Shabbat, peut-être qu'on le fait directement dans le Ishayaou. Dans le qu'on lit le Shabbat matin, avant de le kidouche, certains communautés sfarad, im tashiv mi Shabbat ragdecha. Asot chafatzecha biyom kochi, vekarata la Shabbat oneg, ugdosh Hashem mechubad. D'accord? Le passage qui nous dit comme ça. Si tu, im tashiv mi Shabbat regalecha. Si devant le Shabbat, il faut comprendre que c'est un peu dur à comprendre la terminologie, c'est une tournure un peu compliquée. Im tashiv, si tu retournes ton pied devant le Shabbat, ça veut dire, tu étais sur le point de faire une action de troll, mais tu retiens de la faire parce que c'est Shabbat. Im tashiv mi Shabbat regalecha. Asot chafatzecha biyom kochi. Que tu t'abstiens de faire tes chafatzim, tes occupations, dans mon jour saint. Vekarata la Shabbat Oneg, et que tu appelleras le Shabbat Oneg, ça veut dire que tu sanctifieras le Shabbat pour qu'il soit un jour de Oneg, de plaisir, de shalva, de, je sais pas comment dire en français, de sérénité. Likdosh Hashem Mechubad, Kamovan, pas que tu t'empiffres et que voilà, mais c'est Likdosh Hashem Mechubad, en l'honneur du jour de Shabbat, le sanctifié pour Hashem. Veaz, et le passage qui me dit, Vechibadeto, et tu le respecteras, mais asot derachecha, de te conduire de, comme tes habitudes. De là, on apprend, notamment, ne pas marcher chez le chechab et Shabbat, qui est le chechab et chol. Ne pas marcher à Shabbat comme en chol. On n'a pas le droit, à Shabbat, de marcher vite pour rien. On a le droit de marcher vite pour partir à la bête à Knessot, pas pour en revenir. On a le droit de partir vite pour aller faire une mitzvah, mais pas à Stam, d'accord? Donc, mais tu le respecteras. Mais asot derachecha. Mais asot, c'est de te retenir de le faire. Tu le respecteras en te retenant de faire tes occupations. Mi metzo chevtzacha. De trouver tes besoins. Vedaber davar. Et de parler tes paroles. En fait, c'est ces deux mots-là qui m'intéressent, qu'on va étudier là dans notre Mishnah. Et dans la prochaine aussi. Mi metzo chevtzacha vedaber davar. C'est-à-dire qu'il faut se retenir de ne pas trouver ses besoins et ne pas parler ses paroles profanes. D'accord? Maintenant, si vous faites attention, il y a marqué Chafetzecha, ce qui est à toi. Et ensuite, Asitanag al Hashem, et bien sûr, après, le passage qui nous promet Bezrat Hashem, alors tu mériteras Bezrat Hashem ou la Mabba, Titanag al Hashem, tu auras le Tanouk d'Hashem, Yirkavticha al Bamote Aretz, et il te mettra au-dessus des Bamot, au-dessus des montagnes. Qui fit Hachem libère, il te fera goûter l'héritage qu'il a promis à Yaakov. Ainsi est la parole d'Hachem. D'accord? Maintenant, donc on apprend pour le moment deux choses qui vont nous. Deux halachot spécifiques qu'on va apprendre dans la Mishnah, je commence à te traduire directement. Loïskor Adam Poalim Beshabbat. Un homme n'aura pas le droit, n'a pas le droit de louer des employés, d'employer des employés pendant Shabbat. C'est-à-dire, j'ai besoin pour demain d'un petit jeune homme de synagogue pour qu'il vienne m'aider à déménager. Je lui dis, viens demain, je te donne 200 shekels. Même je ne lui dis pas, viens travailler pour moi demain. J'ai pas le droit de le faire. J'ai pas le droit de lui dire ça. D'accord? Il nous dit, le Bar Tanoura, mi metzo chevtzecha vedaber davar. C'est ce qu'on vient de dire dans le pasouk. Et aussi, le pasouk, alors la Mishnah a une phrase un peu complexe, parce qu'elle est trop évidente, justement. Lo yoma ve lo yoma adam la chaver ou l'iskor lo poalim. Autant que moi, j'ai pas le droit de dire à quelqu'un d'être. De devenir mon employé. J'ai pas le droit de dire à quelqu'un, le Yomar Adam Lachavero, l'iskor lo poalim. J'ai pas le droit de dire à quelqu'un qui va lui louer des employés pour moi. C'est-à-dire, en fait, la Mishnah, elle a eu besoin de m'enseigner une évidence un peu étonnante, que j'ai pas le droit d'employer quelqu'un, et j'ai pas le droit de dire à quelqu'un d'employer quelqu'un pour moi. C'est trop évident. Du coup, la Gemara, elle explique, elle allonge beaucoup dessus pour expliquer, elle propose, éventuellement on parle d'un goy, c'est pas possible que c'est pas un goy, parce que même un goy aussi, on n'a pas le droit. C'est évident, tout ce que je n'ai pas le droit de faire moi-même, je n'ai pas le droit de faire avec un goy. La Gemara, elle conclut
En fait, c'est venu pour inclure le cas de si je lui parle par allusion. Je lui fais, t'es libre demain? Viens me voir. J'ai pas dit pourquoi. Alors là, il y a une anacha que dibour assour, hirour moutard. On a le droit de penser au divrechol. On a le droit, c'est pas qu'on est oublié, c'est pas que c'est une permission qu'il faut le faire. Mais celui qui le fait, c'est qu'il transgresse pas. Hirour moutard. Et donc on a le droit de comme ça parler à demi-mot, sans parler franchement, sans parler de sujet quoi que ce soit. Je dis, demain t'es libre, viens, j'ai besoin de toi. Non, je sais pas si j'ai besoin. Anirish j'étais un mot d'imil à RF, je sais pas ce que ça veut dire exactement, cette phrase un peu bizarre qu'ils ont utilisée. Peut-être que tu pourras venir chez moi demain. J'ai besoin de toi. Non, je sais pas. J'ai pas exactement la bonne terminologie à dire, d'accord? Je pense que j'ai besoin de toi, ça veut déjà dire que j'ai besoin que tu travailles pour moi. Donc c'est déjà sourd. En tout cas, par allusion, tu lui dis t'es libre demain? D'accord, on se parlera demain. Ok? Par allusion, et là, dans ce cas-là, Hirur Mutar. Ok? Deuxième partie, la Mishnah. En marchirin, maintenant, ça c'était surtout les interdits de Dibour. Maintenant, on va voir l'interdit de Mimetso Chevtsecha. En marchirin à la Troum, Miskor Poalim Ulhavi Perot. On n'a pas le droit d'être marchir à la Troum. Marchir à la Troum, c'est. Vous savez, pendant Shabbat, on n'a pas le droit de. Il y avait la ville, comme c'est fréquent dans les campagnes et même dans les petits villages d'Israël, du Nord, il y a la ville, le petit village où est-ce qu'on habite, et puis après, il y a les champs et là-bas, maintenant. On se retrouve très facilement, on sort du Troum Shabbat, on avait le droit de partir pendant Shabbat au-delà des 2000 amot en dehors de la ville. En général, en agglomération classique, on n'est presque jamais confronté au problème. Moi, personnellement, à Yerushalayim, je suis allé à l'extrême de Yerushalayim. Je peux être confronté éventuellement au problème si je sors de la Dramot en direction du chemin de la vie. Alors là, il peut y avoir peut-être parfois des problèmes. Mais en général, on est rarement confronté à ça parce que tant qu'il y a des agglomérations qui s'enchaînent, on a le droit de marcher tout cet espace. On apprendra ça dans Hérouvine, Bézant Hachem. Maintenant, si jamais j'ai une ville en plein désert, eh ben, vous prenez la ville, vous faites un tracé autour de la ville ensuite de 2000 amas. 2000 amas, ça veut dire 1 km. 1 km à la ronde, et après on n'a plus le droit de déplacer on n'a plus le droit de sortir au-delà. D'accord? Ça c'est le Troum Shabbat. Adkan Troum Shabbat, si vous avez déjà entendu l'expression, ça vient de ça. En marchirin à la Troum. Maintenant, quelqu'un qui a une urgence, qui doit partir très vite après Shabbat, il est tellement pressé, il a envie de gagner du temps. Et ce qu'il va faire, il va partir, il va attendre, sans transgresser, il va prendre ses habits, il va attendre jusqu'à la dernière limite de la permise, il va attendre là-bas la sortie de Shabbat, et dès que c'est la sortie de Shabbat, il sort dehors. Et non, s'il va faire ça pour un travail qui est assourd, en marchirin à la Troum, l'iskor poalim ou la viperot. On n'a pas le droit d'être marchir à la Troum. L'archir, ça veut dire le chocher, aller au coucher du soleil, au Troum, à la limite du Troum, l'iskor poalim, pour pouvoir louer des employés, ou la viperot, ou pour apporter des fruits. C'est-à-dire, j'ai une grande simcha à Motzé Shabbat, et je vais avoir besoin de poalim, je vais avoir besoin de fruits. Et ce que je fais, une simcha qui n'est pas chez le mitzvah, comme ça on n'est pas dans d'autres questions. Et donc, ce que je fais, c'est que, bon, j'ai pas prévu mon coup avant Shabbat pour prévenir tous les poalim, tous les employés. Donc, j'attends, avant la sortie de Shabbat, je vais, j'attends à la limite, ben, je n'ai pas le droit de le faire. Pourquoi? Cette fois-ci, ce n'est plus un interdit de parler, c'est un interdit de mimetso chavtsecha, de faire tes actions, de préparer tes actions pendant Shabbat. En fait. D'accord? Ok? Aval marchir ou lishmor. Par contre, tu as le droit de partir à l'extrême pour pouvoir ensuite aller dans ton champ, marchir ou lishmor, pour pouvoir aller garder ton champ. Pourquoi? Parce que l'action de garder un champ à Shabbat, c'est permis. Vous avez compris la différence? C'est très important. Il y a porter des fruits dans la rue, c'est assourd. De ce fait, j'ai pas le droit de partir à la limite du Troum Shabbat pour pouvoir apporter des fruits. Parce que tu vas donc être marché à la Troum pour un travail interdit. Même si tu ne réalises pas le travail interdit, mais même si tu te prépares au travail interdit, c'est déjà assourd. Mais garder des fruits, c'est quelque chose de permis pendant Shabbat. Si j'ai mon champ, si j'ai un jardin pendant Shabbat, j'ai le droit de le garder, qu'il n'y a pas des voleurs qui rentrent, qu'il n'y a pas des animaux qui rentrent. J'ai le droit de le garder. Donc garder un champ, c'est quelque chose de permis. Ben, j'ai le droit de partir à Shabbat jusqu'à la dernière limite pour que dès que sort Shabbat, je vais pouvoir aller dans mon champ pour pouvoir le garder. Pourquoi?
Parce que je suis pas en train de je suis pas en train de préparer un travail interdit, en fait, c'est pas un travail interdit. D'accord? Et maintenant, si déjà je suis parti me attendre le coucher du soleil, pour la tombée de la nuit, pour pouvoir garder mon champ, après j'ai pas de problème que, ou mes vipérotibes beyado, après j'aurai le droit d'apporter des fruits ensuite. C'est-à-dire, puisque mon intention étant essentielle, n'était pas d'aller apporter les fruits, mais uniquement d'aller garder mon champ, alors c'est permis. D'accord, vous avez compris? Ouais? J'ai pas le droit en fait de préparer une action qui est interdite. Mais j'ai le droit de préparer une action permise. Et si j'ai préparé une action permise, après je pourrais faire l'action permise, et même ensuite faire l'action interdite, quand j'avais l'expression aussi, bien sûr. Klal Amar Abba Shaoul. Telle est la règle qu'a dit Abba Shaoul. Alors là, je vous explique, je prépare un petit à la suite. Abba Shaoul, elle a une phrase qui est assez claire, évidente. On a du mal, en fait, on comprend bien ce qu'il va dire. On a du mal à comprendre la marloquette avec Tanakama. Je vais d'abord expliquer ce qu'il dit à Abba Shaoul, et puis après je vais vous expliquer sur quoi il a accroché Tanakama. Klal Amar Abba Shaoul. Ainsi a dit Abba Shaoul. Kol Shani Zakai Ba Amirato, tout ce que j'ai le droit de dire à Shabbat, eh bien, Rachai Ani L'Archi Chalav. J'ai le droit même d'aller me coucher, d'aller attendre à l'Archi Chalatroum, j'ai pas trouvé la bonne expression, mais aller attendre, me préparer jusqu'à la dernière limite du Shabbat, du Troum, pour pouvoir réaliser l'action après Shabbat. C'est-à-dire, Abba Shaoul, il m'a dit en deux mots, il m'a dit, tu sais, prends dans le Shulchan Aruch, d'ailleurs ça se trouve en Simon Shinzen, je crois, tu regardes tout ce que, Shinvav, tout ce qui est, il y a une partie des choses qui sont interdites de parler à Shabbat, et permises, et après il y a ce que tu as le droit de préparer, de partir à la limite du Troum. D'accord? Sache que c'est les mêmes halakhot. Ce que tu as le droit de parler dans l'un, bah, tu auras le droit d'aller ensuite partir pour l'autre. Il est venu en fait à Abba Shaoul me préciser une halakha importante en me disant comme ça. Il y a un Shabbat, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de parler d'argent, de business, mais on a le droit de parler de Cheftseh Shamayim. Mais même sur Cheftsecha, Cheftsecha, c'est le premier Cheftsecha qu'on apprend, je crois. Cheftsecha, tes besoins. Tes besoins, mais pas les besoins, les Cheftseh Shamayim. Tout ce qui est Tzorke Mitzvah, on a le droit de le dire à Shabbat. Ouais? Et Tzorke Mitzvah, ça veut dire que si maintenant, même parler de marier ses enfants, un petit peu, sans trop extrapoler dans trop de détails, mais d'accord, l'archir, comme ce qu'on va voir dans la prochaine Mishnah, on aura l'occasion de découvrir encore. Tout ce qui est sur Kémis va apprendre un enfant en Talmud Torah, où je vais le mettre, dans quel Talmud Torah, combien ils prennent là-bas de. Combien ils prennent par mois, comment je fais, comment. Tout ça, j'ai le droit d'en parler à Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est des Tzorkei Mitzvah. D'ailleurs, on chante dans la chanson de l'Etanak Betanugim. Et d'accord? Maintenant, là, alors, Abba Shaoul m'a dit, ben, tu sais, ce que tu as le droit de dire, c'est-à-dire, parmi les choses, jusqu'à maintenant, ce que tu m'avais dit que j'avais le droit de partir jusqu'à la dernière limite pour préparer l'action d'après Shabbat, tu m'avais dit que j'avais le droit de partir que pour les choses que j'ai le droit de faire pendant Shabbat. Ouais? Tu incluais pour le moment uniquement les choses qui étaient permises à faire, comme garder des fruits. Sache que moi, je t'apprends une nouvelle chose qui est aussi permise. C'est que tu as même le droit de partir, si par exemple tu as une mitzvah d'aller chercher une belle chaise de Kala. Une chaise de Kala pour qu'elle se marie, ouais, je sais pas comment ça s'appelle, le beau fauteuil des calottes. Eh bien, tu auras le droit de partir jusqu'à la dernière limite du tronc pendant Shabbat, pour que dès que Shabbat sort, pour que tu puisses très rapidement aller vite chercher la chaise et venir. Même si cette fois-ci, tu n'avais pas le droit de faire cette action pendant Shabbat, mais tu n'avais rien que le droit d'en parler pendant Shabbat, puisque tu avais le droit d'en parler, tu as même le droit aussi d'aller être marchir à la troum, d'aller attendre à la dernière limite, d'aller attendre la sortie du Shabbat à la dernière limite du troum, pour pouvoir aller chercher la chaise le plus rapidement. D'accord? Et c'est sur ça qu'en fait Tanakama n'était pas d'accord, parce que dans Tanakama, il n'a pas donné cette option. Il a juste dit ce que tu as le droit concrètement de faire pendant Shabbat, comme garder des fruits. D'accord? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.